Ben, on est arrivé à Tromsø depuis moins de 24 heures. Là, il est midi et demi. Les conditions changent absolument très très vite. On avait vu qu'il y avait une dépression sur la région. Il fait bientôt nuit. La lumière baisse très très vite. Et les vents atteignent 35-40 mètres par seconde, ce qui fait à peu près entre 50 et 60 nœuds. Donc c'est vraiment une tempête. C'était prévu comme ça. Maintenant, on va voir ce qui est prévu pour la journée de demain où on est censé prendre le bateau. Encore des grosses chutes de neige sont attendues ce soir. Et c'est assez impressionnant parce que, vu que tout est nuageux depuis ce matin, on peut pas parler vraiment de lumière du jour, mais plutôt une lueur qui a commencé à se montrer péniblement vers 11h, 11h30. Et là, midi et demi, il recommence à faire nuit. La lumière a très fortement baissé en quelques minutes. Voilà. C'est assez étonnant. Je pense qu'avec un temps un peu plus clément et au moins pas nuageux, on doit pouvoir gagner une heure, facilement une heure de lumière du jour en plus. Il y a vraiment une ambiance fin du monde un peu là. C'est assez apocalyptique, toutes les lumières sont noires, voire bleues. On est dans des jours bleus puisque le soleil ne se montre pas et il reste très très bas.